Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'en plus aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un haul Noz. Alors, comme d'habitude, aller chez Noz, c'est toujours un grand plaisir. On fait attention à pas trop dépenser, parce que franchement, si on traîne trop, hein, c'est dingue. Hein. On repart avec le caddie plein. Il y a toujours, toujours des choses à fouiner, fureter, bien chercher dans les coins. Alors, donc là, pour ma part, je suis allée en deux fois, donc une fois à fond de la caisse et une deuxième fois où j'ai pris un petit peu plus mon temps. Alors, donc, on va faire par catégorie plus ou moins. On va commencer donc par l'alimentation. Alors, donc, tout d'abord, j'ai eu un flop. Alors, pas du côté goût, mais du côté prix. J'ai été très, très déçue et c'est vrai que sur le coup, je me suis posé la question. Alors, j'ai trouvé du jus de fruits, du Pressade. Donc, c'est celui que j'achète régulièrement, enfin, en général, hein, le trois quarts du temps. Donc là, j'ai trouvé le Pressade, le bio du marché Pomme de France. Donc, c'est une bouteille de 1 litre. Attendez, j'enlève mon petit sac d'à côté. Petite bouteille de 1 litre, donc c'est à la pomme. 1,65 €. Bon, le goût était très bien, hein, rien à dire. Par contre, là, j'arrive de faire mes courses chez Intermarché. J'ai acheté des pressades bio. Et là, j'ai pris un à l'orange qui fait aussi 1 litre. Donc, ce n'est pas tout à fait le même packaging, mais c'est du pressade aussi. Et du coup, celui-ci, je l'ai eu à 1,51 €. Bon, donc franchement, et en plus, j'avais une promo sur un acheté, le deuxième à moins 50. Il me semble que c'est un truc comme ça. Bon, donc du coup, je l'ai payé bien moins cher aussi. Il y a toujours, toujours des promos en général sur cela. Donc, ça ne valait pas le coup d'acheter celui-ci. On l'a moins cher en magasin. Bon, certes, là, c'est à l'orange. Mais bon, ça se vaut à peu près au niveau du prix. Donc, du coup, voilà, c'est pas la peine de s'y jeter forcément dessus. Voilà, ça ne vaut pas trop, trop le coup. Ensuite, j'ai acheté des crevettes. Alors, ce sont des gambas. Je vous mets la photo. C'était 4,99 € le paquet. Donc, je trouve que c'était assez intéressant parce que, en regardant au rayon surgelé, j'ai trouvé pratiquement les mêmes. Hein, ce n'est pas la même marque forcément, mais au double du prix. Donc, voilà, je trouvais intéressant. Vous en avez 300 grammes. Ensuite, j'ai acheté 4 petites bouteilles de fusti. Donc, c'est du thé dans des petites bouteilles comme ceci. Hein. Alors, je vais peut-être vous en enlever une pour vous le montrer. Donc, ça fait 4 fois 400 ml. Hein. Alors, elles sont comme ceci. Voilà. Et elles sont au thé vert, myrtille et au jasmin. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Peut-être que ça va m'écœurer ce goût-là. Alors, donc là, les 4 étaient à 1,99 €. Bon, je trouvais que c'était correct. Ensuite, j'ai acheté des pizzas. Donc, cette marque-là, le Docteur Oetker, je sais pas comment on le dit, ça y est régulièrement chez nous. Donc là, j'en ai pris deux. J'ai bien fait parce qu'elles sont petites. Ça faisait combien? J'aurais dû les prendre en photo quand je les ai sorties, j'ai oublié. Ça fait 375 grammes et franchement, elles sont petites. Hein. Ça fait la taille d'une assiette. Hein. C'est pas énorme. Voilà. Donc heureusement, j'en avais pris deux. Mais après, franchement, elles n'étaient pas mauvaises. Donc pas trop trop les faire cuire hein, parce que du coup, le jambon, là, il se grille un peu trop. Il y en a une que j'avais bien réussi, l'autre, je l'ai laissé 2 minutes de trop. Bon, mais franchement, elles sont très bonnes. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Et elles faisaient 1,80 € la pizza. Ça va, hein, pour faire un petit truc d'appoint. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ça m'a plu. Alors, c'est une compote de pommes d'Aquitaine avec du citron de Corse cuit au chaudron. Voilà. Donc, j'ai payé ça 1,79 €. Il y en a 570 grammes. Ça m'a plu. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais aimer, mais parce qu'il y a du citron à l'intérieur. Mais il y en a tellement peu que bon, voilà. Donc, c'est au niveau des ingrédients. Pomme d'Aquitaine, 90%, du sucre et des citrons de Corse à 2%. Donc, vous avez de 8% d'autres choses. Le sucre, ça doit correspondre à 8% du produit. Parce qu'après, il ne parle pas d'autres choses à l'intérieur. Il n'y a vraiment que ça comme ingrédient. Donc, franchement, c'est du bon. Voilà, c'est du bonbon. Et ça, j'ai dit 1,79 €. Après, je n'ai pas trouvé d'autres goûts. Hein, il n'y avait que ça.
Ensuite, j'ai trouvé des bouillons de bœuf. Ça, j'aime bien pour mettre dans les rôtis, dans la viande, pour faire des sauces. Hein. 99 centimes. Ceux-là, ils valent super cher. C'est les Knorr. Je crois qu'ils sont presque à 3 euros, il me semble. Vous en avez 3 ou 2 dedans. Non, il y en a 4. Ah oui, c'est 4 petites barquettes, hein, vous voyez. Et donc, j'ai dit 99 centimes. Voilà, ceux-là, moi, je les aime bien. Voilà, beef stock pot. Ensuite, j'ai pris un petit flacon de mayonnaise à 75 centimes, 235 grammes. La Benedicta, ça fait un petit moment qu'il y en a. Alors, une fois, je me suis fait avoir, elle était très, très, très citronnée. Et là, j'ai fait attention et je n'ai pas pris le même packaging. Donc, logiquement, je pense que celle-ci doit être moins citronnée parce que franchement, c'était écœurant. C'était trop. Ensuite, il y avait encore des petits gâteaux lus, les petits tendres originales. Voilà, ça c'était 1,29€. Ça, c'est vrai que je voulais regarder aussi le prix, j'ai pas pensé. Mais il me semble que c'est à peine un peu plus cher en magasin, à peine. Voilà, bon, ça se mange sans faim et c'est bon pour déjeuner, n'importe quel moment. Ça se mange comme ça. Donc, rayon alimentation, c'est tout. Maintenant, on va passer au rayon maison. Alors, donc, je me suis trouvé un tout petit plat. Voilà, ça faisait un moment que j'allais chercher un, mais vraiment que pour une personne, vous voyez, un tout petit plat. Je l'ai payé 75 centimes. Bon, mais il est en céramique. Hein. Au niveau de la dimension, ben, je ne crois pas l'avoir. Je vais voir sur le ticket. Ramequin coupelle, 75 centimes. Non. Bon, alors vous voyez, ça fait la taille de ma main. Bon, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Voilà, ça fait à peu près, ouais, une portion, je pense. Hein. Donc ça peut être pratique. Hein. Après, je me suis pris des poches à douille avec les petites ben, douilles. Hein, voilà. Ça, c'était pour m'entraîner, pour faire les bougies et pour faire ben, peut-être des savons, on va voir. Mais plutôt pour les bougies. Voilà. Donc avec des embouts différents. Et celui-là, c'était 1,99€. Et j'en ai acheté un autre, hein, mais avec une seringue du coup en plastique. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça va être plus facile ou pas, on verra, je vais tester pour le prix. Hein. 1,50€. Voilà. Donc, il y a plusieurs embouts. Il y en a 2, 4 et 8. Et 9 avec celui qui est déjà sur la seringue. Bon, on verra ce que ça donne. On verra si je m'en sors et on verra ce que ça donne surtout. Mais bon, pour le prix, en tout cas, ça valait le coup. Après, je me suis pris un fouet en... Alors, je ne sais pas s'il est en alu. Je ne sais pas du tout. Voilà, un petit fouet. Donc, ça aussi, ça va me servir uniquement pour m'occuper donc de tout ce qui est pour les bougies, pour remuer ou pour les savons. Voilà, pour chaque chose, il y aura son ustensile. Hein. Voilà. Donc, ça, je l'ai payé 1,20€. Hein, un petit fouet à main. Ensuite, la dernière fois, déjà, j'avais vu qu'il y avait de l'argile en poudre. Et c'est vrai que j'avais... Je me suis dit, t'en as besoin, ça va te servir, mais je ne savais plus pourquoi c'était. Et en fait, voilà, donc pour colorer certains savons, et puis en plus, ça a des bienfaits, l'argile. Je me suis dit, ben, ce coup-ci, tu vas en prendre. Donc, j'ai pris de l'argile blanche et j'ai pris de l'argile rouge. Voilà, donc c'est des petits pots comme ceci, vous avez dû tous les voir. Donc, c'est 1,99€, c'est de la marque Terre d'Oléane. Moi, je vais tenter. Voilà, on va voir. Il me faut prendre mon temps pour le faire tranquillement et faire des tests. Voilà, donc je me dis que pour 1,99€, je ne me ruine pas trop si c'est un colorant. Et en plus, ça a des bienfaits. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des bouquins. Donc, j'en ai trouvé un à 5,99€, mais il me semble qu'il était à moitié prix. Eh ben non, il n'est pas passé à moitié prix, je me suis fait avoir. Bon, mais c'est pas grave. C'était déjà pas cher. Donc, j'ai pris la Bible des produits miracles. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, citron, argile, produit d'entretien fait maison à 5,99€ au lieu de 19,90€. Donc, voilà, en ce moment, j'ai envie de me lancer donc, pour les marchés de Noël à faire des bougies et faire des savons, des peines de savon, voilà. Et... Donc voilà, j'essaie de m'équiper petit à petit. Et c'est vrai que chez Noz, souvent, on peut trouver des choses intéressantes. Et donc là aussi, notamment, faire des produits d'entretien maison. Donc ça, c'est pour moi, personnellement, donc à la base.
Et puis voilà, donc s'il peut y avoir des petites choses en plus pour me donner des conseils, pourquoi pas. Voilà, donc je suis un petit peu à fond là-dedans en ce moment. Voilà, donc là, on vous parle les alliés du bicarbonate, on vous parle du vinaigre blanc, on vous parle voilà, de tous ces produits qui peuvent faire du bien, donc notamment dans la maison. Ça peut aider donc à désodoriser, vous avez tout un tas de choses. Je vous montre vite fait une page, voilà, vous voyez. Donc, ça vous explique. Et puis, bon, ben, en même temps, vous avez des recettes. Voilà. Après, on vous parle du citron. Vous voyez. Alors, il y a plusieurs. Le citron aussi, hein, c'est génial. Hein. Voilà. Donc là, normalement, ce week-end, si je croise les doigts, si j'arrive à avoir le temps, je voulais me préparer des tablettes de lave-vaisselle. Voilà. J'en ai encore. Hein. Mais justement, si c'est pour... voilà, j'avais envie de tester les produits naturels, hein, voilà, tout simplement. Donc, je pense que quand, voilà, je m'y serai bien mise, je vous ferai des petites vidéos là-dessus parce que franchement, c'est très bien, voilà. Puis, c'est très ludique à faire. Bon, donc, quand j'en saurai un petit peu plus, quand j'aurai avancé, je vous en parlerai un peu mieux. Voilà, donc, notamment, voilà, ce qui est intéressant, mais voilà, tous ces petits bouquins, toutes ces petites explications sur les produits... qui sont naturels, si on peut dire, hein, voilà. Hein. Là, on vous parle de l'argile verte. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de tout le livre, mais voilà, c'est tout à fait ce qui m'intéresse, la Bible des produits miracles. Ensuite, j'en ai trouvé deux autres. Hein. Alors, j'ai trouvé celui-ci, mes produits naturels au quotidien, c'est de femme actuelle. Je l'ai payé 2,99€, il en valait 13,99€. Alors, celui-là, j'ai déjà feuilleté hier. Il est aussi bien. Donc là, je vais vous trouver une page. Alors, la menthe. On vous parle de la menthe. Voilà, vous voyez. Donc, on vous donne des recettes pour faire, évidemment, des infusions de menthe. Des recettes, donc, pour les tisanes. Vous avez, pour faire un spray apaisant et cicatrisant, des bains de bouche. Donc, tout ça, ça se présente sous forme de recettes, même pour faire une bougie d'ambiance. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà, je me mets comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, c'est très sympa. C'est très facile à lire. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir les ingrédients, évidemment. C'est comme tout. Voilà. Donc, pour plein d'autres choses, on vous propose des recettes. Hein. Même pour le café. Voilà, on vous parle aussi du café. C'est super bien fait, celui-là. Franchement, il est vraiment bien. Après, j'en ai trouvé un autre, je n'ai pas eu le temps de le regarder. C'est Femme Actuelle aussi, c'est 1001 secrets de Noël. Donc là, pour 2,50€, et il en valait, il y a le prix dessus, je vais l'enlever. 9,95€. Pour préparer le réveillon et vivre pleinement la féerie de Noël dès les premiers jours de décembre. Recette gourmande, décoration au naturel, activité de l'Avent. Cadeaux et cartes de vœux à réaliser vous-même, gastronomie et rites traditionnels. Voilà, écoutez, on va commencer du début où on va vous montrer un petit truc intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Le décor se met en boule. Première boule de Noël. Donc, on vous explique d'où viennent les premières boules de Noël. Bon, je ne sais pas, ça a l'air un peu bizarre, mais il faut le lire. Hein. Après, c'est très joli. Il y a de belles illustrations. Voilà. Bon, écoutez, j'en sais rien. On verra si c'est intéressant ou pas. Hein. Regardez, c'est très joli. Très, très beau. On vous parle des 13 desserts. Bon, il y a plein de choses. Hein. Donc, tout tourne autour de Noël. Donc, ça peut être intéressant pour fin d'année, pourquoi pas. Donc, là, on va passer à l'hygiène beauté. Et puis, à la fin, je vous mettrai 2-3 vêtements que j'ai trouvés. 3. Voilà. Allez. Alors, donc, j'ai trouvé... Donc, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je vous le remets ici. J'ai trouvé, donc, de la marque My New Hair, un shampoing totalement vegan. Donc, je vous avais montré donc, quelques photos. Je l'ai payé 1,49€. Donc, celui-ci, il est pour les cheveux colorés. Par contre, je n'ai pas senti l'odeur, tiens. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent très, très bon. Et ce sont des produits que j'ai trouvés. Donc, celui-ci, je crois que je l'ai trouvé à 5€, je crois, sur Internet. Voilà, je vous le montre. Bon, après, vous aviez des soins après shampoing.
et shampoing. Bon, moi, j'ai pris que celui-ci parce que je ne connaissais pas et puis j'en ai déjà pas mal. Voilà, c'était juste pour tester. Et puis bon, le prix aussi était intéressant. Ensuite, j'ai trouvé une palette de Lovely. Ah oui, la marque Lovely à 1,50€. Bon, vous verrez, il y a le prix en plein milieu sur la palette. Voilà, donc vous avez des teintes de nacré, c'est tout. Je vous montre le derrière pour vous donner l'idée des couleurs. Voilà, donc vous avez un joli vert pailleté, un bleu marine, un peu rouge framboise. Et je crois qu'il y a deux qui sont mat quand même, hein, parce que ceux de là, on ne les voit pas bien, mais celui-ci, il est mat. Et celui-ci aussi, c'est un marronné. Après, vous avez un rose nacré, un beige et un violet. Voilà. Donc, pour 1,50€, je l'ai pris. Je dis, si je ne m'en sers pas, ça ira dans un concours ou pour offrir à quelqu'un. Et ensuite, j'en ai trouvé une autre. C'est la Sorbet Eyeshadow Palette. Donc, là aussi, c'est des teintes assez d'été. J'ai trouvé toutes mignonnes. Donc, pareil, je ne l'ai pas ouverte hein, parce que je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je la trouvais très, très intéressante. Voilà, et puis en plus, le prix. Hein. Après, j'ai trouvé une ombre à paupières et à sourcils de la marque Oso. À 1,20€. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est comme ça, avec le miroir en haut. Hein. Voilà. Bon, elle est pas mal, hein, d'aller marronner. Bon, après, du coup, je pense qu'il y a peut-être une teinte qui peut aller au niveau des sourcils. Mais vous avez le petit pinceau biseauté et le petit pinceau plat. Pourquoi pas, mais il faut avoir une teinte, je pense, assez claire. Hein. À voir. Donc, ça aussi, ça, ce sera sûrement pour offrir à quelqu'un. Donc, ça, c'est rangé. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé en make-up? Je vous le montrerai le reste après. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Ah oui, j'ai trouvé des chaussettes, hein, comme on achète souvent chez Action pour se faire des soins aux pieds. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, je vous montre le packaging. Vous voyez là. Bon, après, tout est écrit en anglais ou en russe. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faudrait le garder 30 à 60 minutes. Et ensuite, après, masser. Donc, j'ai trouvé ça pour 1,99€. Ah, ben alors là, je me suis fait avoir. Il n'y a pas les chaussettes dedans. Ouais, ben ça a été volé. Il y a quoi dedans? Ah si, purée, je dis des conneries, pardon. Les chaussettes, elles sont là-dedans. Bon, ma foi. Et donc, ensuite, c'est sous forme de produit. Bah, c'est pas pratique, mais bon, pff, tant pis, quoi. Je vous le dis. Vous voyez comment ça se met? Vous mettez, vous ouvrez le petit truc, là, vous l'ouvrez, vous versez tout ça dans la chaussette. Ça va pas être pratique du tout. Voilà, vous voyez le dessin? Voilà, bon. Ça a l'air pas mal après au niveau du produit, franchement, hein, mais bon, ça va l'air très très pratique. Hein. Je pense que je ferai ça dans la salle de bain, je resterai un moment dans la salle de bain parce que j'ai peur d'en mettre partout dans la chambre. Bon, pour 1,99€, bon, allez, j'avais pas ouvert, hein, je crois que c'était des chaussettes comme chez Action. Hein. Bon, celle-là, c'est pareil, il faut ouvrir le sachet, les mettre, bon, bref. On verra ce que ça vaut, hein. Ensuite, j'ai trouvé, il y avait des eaux de toilette, hein. Il y en avait pas mal. Vous verrez ça, donc à la fin, comme d'habitude, je vous mets des photos de ce que j'ai trouvé dans le magasin, et pas forcément ce que j'ai acheté du coup. Donc ça notamment, c'est de Len Van Broek Safari Trooper. C'est une eau de toilette hein, au muscat, vétiver et vanille. Vétiver, je ne sais plus comment on dit, vétiver. Donc, j'ai pris ce packaging-là. Ça fait 30 ml. J'ai payé ça 1,50€. Et je vais essayer d'ouvrir le paquet sans abîmer la boîte. Hein, parce qu'il y a un petit opercule. Donc, j'ai fait attention d'acheter un truc qui n'était pas ouvert. Voilà, je fais doucement parce que c'est nickel pour offrir. C'est trop sympa. Voilà comment ça se présente. Hein. Et je vais essayer quand même de le sentir. Parce que, bon, après, c'est tout petit, hein, 30 ml. Ah oui, ça sent l'homme. Hein. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment parfum d'homme. Hein. Donc, bon, c'est pas mal du tout. Ouais, moi, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup même. Hein.
parce qu'ils disent muscat, je ne sais pas si c'est vraiment l'odeur du muscat. Hein. Je ne sais pas. Voilà, je vous le remontre. Il y en avait plein d'autres. Vous verrez sur la vidéo à la fin. 1,50€. Après, j'ai trouvé un gel. Alors, un gel qui fait froid. Alors, apparemment, ça serait comme... Ah ben oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai cru que c'était un gel qui faisait froid. C'est un gel solaire en fait, pas du tout ça. Bon, mais tant pis, hein, j'en aurais un, mais bon, c'est que du 30. 1,79€, c'est pas du tout ce que je croyais, j'ai pas bien lu. Protection immédiate avec d'eau des glaciers suisses. Excusez-moi, j'arrive plus à lire. Ouais. Sous contrôle dermato, appliquer avant chaque exposition au soleil pour une protection optimale, répéter régulièrement l'application après chaque baignade, tatati tatata. Bon, ben, si j'avais lu, c'est bien fait pour moi. Bon, c'est pas grave, ça m'en fera une de passe, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon. Voilà, c'est pas une crème, c'est sous forme de gel. Ça sent pas mauvais. Bon, il n'y a pas trop d'odeur. 1,79€. Bon, ben, écoutez, j'ai pris ça, je me suis trompée, tant pis pour moi. Ensuite, on a eu des nouveautés Kiko. Alors moi, je suis tombée que sur l'arrivage des ombres à paupières duo liquides, les métalliques. J'ai vu qu'il y a d'autres filles qui ont eu des trucs super dans d'autres noces. Bon, mais là, moi, voilà. En plus, là, ce mois-ci, je ne vais pas y retourner parce que j'y suis déjà allée deux fois. Moi, c'est vraiment pas à côté. Donc, ça me fait pas mal de dépenses aller-retour chaque fois. Donc, je ne peux pas y aller souvent, comme ceux et celles qui les ont dans leur ville. Hein. Moi, je ne peux pas. Bon, Action, j'en ai un, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais le Noz, voilà, ça fait vraiment loin. Bon, donc quand même, hein, j'ai trouvé donc deux petites ombres à paupières comme ça, liquides. Hein. Donc, vous avez vu, le packaging, déjà, il est trop joli. Donc, pareil, sur Instagram, j'avais fait une petite story. Je crois que j'en avais parlé aussi en publication. C'est Cecilia Nota. Long Lasting Eyeshadow Duo Ombre à paupières liquide. J'ai payé ça 1,99€ chacune. Donc, moi, j'ai pris deux teintes, la 01 et la 03. Donc là, vous avez la 01. Donc, vous avez un beige nude et un métallique bronze. Voilà, c'est très joli. Je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas le swatcher parce que je l'ai prévu pour quelqu'un. J'attends la réponse. Voilà, donc, vous avez vu, c'est très, très beau, c'est bronze. Ça sent bon, rien de spécial, c'est toujours Kiko, c'est toujours bien. Et après, donc, j'ai pris la teinte 03. Et là, c'est un peu différent. Là, c'est couleur or ici. Et là, c'est presque le même nude, mais plus dans le rosé. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc, ça, c'est la teinte 03. Donc là, pareil, je vais vous montrer... Voilà, c'est un doré, métallique. Ça sent très, 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 très bon. Voilà, donc ça, c'est une belle affaire. 1,99€ chacun. Donc, ça vaut trop, trop, trop le coup. Donc, si Katia, tu ne les veux pas, ben, écoutez, je ne sais pas, on verra. Soit je les mettrai dans le concours, je les garderai pour moi après. Mais bon, compte tenu de tout mon stock de maquillage, je pense que ça ira sinon au pire dans le concours. On verra avec Katia. Voilà, donc Katia, c'est une belle personne qui m'a offert très, très, très gentiment 10 tonnes de livres. Voilà, parce qu'elle sait que j'adore lire. Elle m'a envoyé un superbe colis. D'ailleurs, je vous en parlerai, j'espère, dans un prochain vlog parce que j'avais commencé à le tourner, j'ai eu un souci. Donc, je n'ai pas pu vous le mettre en ligne. Bon, donc voilà, je vous en parlerai dans le vlog. Elle m'a offert pas mal de bouquins. Et donc, pour la remercier, surtout pour la rembourser des frais de port, voilà, il y a des petites choses qu'elle aime et que je vais lui offrir en retour, ce qui est totalement normal. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je tenais, je fais une petite pause du coup, à vous remercier tous et toutes pour vos gentils messages, votre soutien. C'est vrai que là, franchement, j'ai un petit peu douté. J'ai failli tout arrêter. Parce qu'il y a des choses qui se disent là où j'habite, comment vous dire, c'est compliqué. Quand on habite dans un village, on est plus ou moins connu, les choses se disent, surtout les enfants entre eux. Et c'est compliqué.
je fais rien de mal, je ne dis de mal de personne, je fais mon petit truc dans mon coin, je vous présente ce que j'aime, ce que j'achète, je partage pas ma vie parce que je veux quand même garder un petit peu de choses pour moi, mais voilà, je vous partage mes achats, je vous partage mes envies, voilà. Donc voilà, je tenais quand même à vous remercier parce que j'ai souvent, très très souvent, de gentils messages, toujours des petites attentions. Donc merci aux anciens et anciennes abonnés et merci aux nouveaux, nouvelles abonnés. Voilà, de nouveau la chaîne recommence un petit peu à grimper. C'est vrai que j'ai perdu un peu confiance en moi, j'avais envie d'arrêter parce que je voyais que je faisais presque pas beaucoup de vues. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai rien changé, en tout cas, à mes habitudes, à ma façon de vous présenter les choses, à ma façon d'être. Voilà. Et franchement, j'ai eu un coup de mou. J'ai eu beaucoup de fatigue aussi et baisse de morale par rapport à tout ça. Bon, de toute façon, c'est que du plus. Donc, bon, je me suis dit, écoute, prends ton temps. Donc, je me suis pris les choses un petit peu plus cool. Moins, voilà, je voulais absolument vous publier 2 vidéos tel jour, telle heure. Je me mettais trop de pression et c'est vrai que là, du coup, maintenant, je le prends un petit peu plus cool et c'est vrai que ça doit se ressentir peut-être, je suis moins stressée. Donc voilà, je reprends du plaisir à faire les vidéos comme ça, ponctuellement. Donc, je tenais encore à vous dire merci d'être là. Bon, pour finir, donc, je vais vous montrer les petits habits que j'ai trouvés. Franchement, il y avait de ces pépites la deuxième fois. Du tournerre. Bon, donc j'ai trouvé un jogging parce que ça, les joggings, les pantalons, moi, mon fils, il adore ça, il est tout le temps en jogging et surtout les joggings avec des poches qui se ferment parce que vous savez quoi, faut mettre le téléphone dans la poche. Donc si on est en cours, si on est en moto, en vélo ou à pied, c'est toujours bien d'avoir les poches fermées. Voilà, donc c'est un jogging de cette marque là, c'est Lonsdale, je ne sais plus comment on dit. Voilà, je vous montre. Donc, il y avait ces pantalons de jogging. Donc, c'est en matière glissante, vous savez. Là. Voilà, le bas, il est resserré. Voilà, il n'y a pas de fermeture éclair sur le bas. Donc, il est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a évidemment, ben, écoutez, une petite corde. Voilà, donc moi j'adore, hein. Je trouvais ça très sympa. Il y avait, je crois, des pulls ou des vestes assorties, il me semble. Donc ça, je l'ai payé combien ce jogging? C'était 9 euros, je crois. 9,99 euros. Voilà, donc il y avait un arrivage de cette marque-là. Je vous remontre vite fait le sigle. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cool, hein. Franchement, ça, je suis contente. Ensuite... il y avait un arrivage d'ensemble, veste, pantalon fluide, fleuri, imprimé fleuri. Donc moi, j'avais envie de prendre une veste, mais j'ai dit, mais après, tu vas la mettre que l'été. C'était tellement fin que bon, donc j'ai pris que des pantalons. Mais pantalon, je regardais un magasin, le pantalon est transparent. Alors déjà, je vais arriver à trouver la tête et le cucu, comme on dit, parce que ça a l'air petit cette histoire, c'est du S, mais finalement, alors... Donc là, vous avez la taille, vous avez vu, il est un petit peu avec des... comment vous dire, ça fait un peu plissé. Voilà, j'arrive à trouver mes mots. Voilà, donc il est très beau, l'imprimé. Voilà, donc après, c'est un pantalon fluide, large, hein, tout simple. Hein. Mais l'imprimé m'a plu. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Vous verrez ça à la fin. J'ai essayé de prendre quelques photos. Mais il est transparent. Voilà, j'essaierai de trouver une espèce de shorty à microfibre, par exemple, un petit peu long, style cycliste. Hein. Pour mettre en dessous, parce qu'il est tellement beau, franchement, ça m'embête de ne pas le mettre. Voilà, ça coupe au niveau de mi-cuisse, par exemple, et qu'on ne voie pas ce qu'il y a dessous. Voilà, donc, par contre, il y a des poches ou pas? Non, il n'y a pas de poche. Dans la famille poche, on aime bien les poches chez nous. Bon, mais il n'y a pas. Donc, voilà, la taille est élastique derrière et le devant, il est tout simple. Voilà, moi j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Voilà, bon, seulement faites attention, donc il y avait du bordeaux, il y avait du vert, le vert il était beau, hein. Il y avait du noir et je ne sais plus après, et le bleu, voilà. Donc ça, c'était pas cher du tout, c'était très raisonnable, je crois que c'est 5 ou 6 euros. 6,99 € le pantalon fluide, et vous en avez tout un pan avec les vestes donc plus ou moins assorties. Et ensuite, je me suis trouvé une robe. Ça, j'adore ces robes.
Ça fait longtemps que j'en voulais une. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'en voulais une. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Alors, c'est une robe en lin. Voilà, vous voyez. Donc, chemise à manches courtes. Donc, vous avez une ceinture. Ça fait comme... C'est une robe tablier, en fait. Voilà, je cherchais le mot. Je vais y arriver, hein. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Voilà, vous voyez, avec des poches. Donc, si j'ai le temps, si j'y pense, je vous la montrerai portée. Donc là, vous voyez, on fait un petit nœud. Elle est longue. Voilà, donc vous avez les petites poches. Bon, c'est compliqué à vous montrer. Et là, vous voyez, là, vous avez des petites fentes devant. Voilà, et après, le derrière, bon, il est tout simple, hein, mais voilà. Et puis moi, vert, en ce moment, voilà, j'avais envie du vert. Et c'est un vert vert, voilà, vert, vert. Un joli vert, voilà. Donc, j'essayerai de vous la mettre portée en photo si j'oublie pas. Hein. C'est de la marque Real Bani. J'ai payé ça 14,99€. Et elle va... Oh, purée. Alors là, je vais vous montrer ça. Attendez, j'enlève les pingles là. Vous n'allez pas me croire. Hein. Vous savez, toujours, je fais toujours des affaires chez Noz. Mais alors là, je n'avais pas vu ça en magasin. Donc, je vous montre. Je l'ai payé 14,99€. Et elle valait, c'est en bas, regardez bien en bas là, 81,50€. Non mais attends, c'est quoi cette marque? Je ne connais pas du tout. Hein. C'est comme la marque Néon Noir, la robe noire avec les pois beiges que j'avais acheté. J'avais payé pareil, je crois, 14,90€ et elle valait 100€. Et bien là, c'est pareil. Real Bani, The Essence of Style. Ah ouais, ben, style ou pas, 80,50€, quoi, la robe. Oh, purée, on fait des affaires. Bon, mais écoutez, hein, voilà, hein, comment vous voulez pas qu'on retourne chez Noz? On fait que des affaires. Bon, mais écoutez, sur ce, voilà, c'est déjà pas mal. Tous mes sacs sont vides. J'ai 3 tonnes de choses à ranger. J'espère que ce haul vous a plu. J'espère que vous avez apprécié mes achats ou que ça vous a donné des idées. Voilà des petites choses dont vous aviez besoin. Je dis encore, je n'incite pas à aller chez Noz à faire des achats. Voilà, bon, il y a des petites choses dont j'avais besoin, des choses qui vont me servir en alimentation, des petites choses pour faire des cadeaux et des petites choses évidemment utiles pour faire des loisirs créatifs. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'ici. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain haul Noz. Bye bye.